commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble sur notre Google Home Mini, une petite dédicace à un abonné qui m'avait demandé de faire 2-3 vidéos sur le Google Home Mini. Donc voilà, une petite dédicace à toi. Et on va voir ensemble sur notre Google Home Mini deux applications aujourd'hui qui sont très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, pensez bien à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec Niveau d'eau. Ok, je vous mets en contact avec Niveau d'eau. Salutations. Niveau d'eau à Paris. Il y a 1,232 mètres à la station Paris. Niveau d'eau. Cette application est ultra géniale car elle va vous permettre de vérifier le niveau d'eau de toutes les stations Vigicru qui sont dans notre pays. Ce qui veut dire que si vous avez un doute lorsqu'il y a des grosses pluies, vous allez, grâce à votre Google Home, pouvoir demander le niveau d'eau de telle ou telle ville. On va recommencer un petit essai par exemple. Pour quelle station voulez-vous connaître le niveau d'eau ? Toulouse. Il y a 1,4 mètres à la station Toulouse. Les stations de niveau d'eau par rapport aux crues, vous allez, si vous avez un doute, pouvoir demander à votre Google Home le niveau d'eau de telle station et dans telle ville. On va toujours rester avec le Google Home Mini. On va donc terminer par cette petite application qui vient tout juste de sortir. Elle est toute fraîche. Et on va demander à notre Google Home de parler avec Number Fact. Très bien, je vous mets en relation avec Number Fact. Bonjour, voulez-vous avoir un fait historique, mathématique ou culturel sur un nombre ? Historique. Quelle est votre année ? 1973. Le 11 septembre 1973, le gouvernement démocratiquement élu du Chili est renversé par un coup d'état militaire après une grave instabilité. Culturel. Quel est votre nombre ? 53. 53 est le plus de points par une recrue dans un match NBA Playoff, Philadelphia Wilt Chamberlain, 1960. Comme vous avez pu entendre, le number fact mathématique ne fonctionne pas pour l'instant, mais tout le reste fonctionne correctement. Et comme vous avez vu, on peut en apprendre beaucoup sur les chiffres. Une petite dernière donc sur envoyer sur mon téléphone. Il y avait donc un abonné qui me disait que ça ne fonctionnait pas par rapport à son Google Mini. Donc je vais vous montrer que cela fonctionne bien à partir du Google Home Mini. Alors par exemple, je vais lui demander quelle est la météo demain à Paris. Il y aura des orages par intermittence demain à Paris avec une température... Envoyé sur mon téléphone. Voilà, c'est sur votre téléphone. Google Assistant, 17h08. Quelle est la météo demain à Paris envoyée depuis Google Home ? Donc, le envoyé sur mon téléphone fonctionne correctement sur le Google Home Mini, sans problème. Voilà, donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez surtout à vous abonner pour continuer à suivre toutes les aventures Google Home. Pour me suivre, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.